L'électrostimulation est une catégorie niche qui est perdue dans un univers fitness et sport plutôt porté par des disciplines classiques telles que le running ou le fitness. On a très peu d'attention de la part de la distribution et de la clientèle en général. En plus de ce contexte marché difficile, nous ne disposions que d'un budget très limité. Nous avions d'un côté une étude très sérieuse qui prouvait l'efficacité des produits Slenderton, et de l'autre côté, la célèbre campagne de Sport Elec en 1997 avec Love Amour, qui démontrait le process du produit. On a compris qu'il fallait avoir une position de leader pour imposer un nouveau code de marché, rétablir la vérité sur le vrai process de l'électrostimulation qui agit sur le muscle et non pas sur la graisse. Slenderton, réveillez vos muscles. Une démarche qui était beaucoup plus axée sur le côté glamour, le côté séduction, dans lequel on peut très vite s'identifier. Un nouveau code finalement de la beauté, qui était la beauté musclée, avec cette campagne qui signait « Réveillez vos muscles ». Être leader ou prendre une posture de leader, c'est très difficile. Donc c'est vrai que très vite on a éprouvé le besoin de travailler en étroite collaboration avec l'agence Média Initiative Média Brand, pour justement anticiper ces problèmes, pour toucher un public à la fois beaucoup plus large, mais aussi beaucoup plus exigeant. Découvrez la ceinture Slenderton pour un ventre plus plat et plus ferme en 4 semaines. Les deux chiffres qui soulignent pour nous vraiment le succès de la campagne sont à la fois un plus 104% sur le chiffre d'affaires du premier semestre 2012, mais surtout un plus 249% sur nos ventes online durant la campagne, ce qui n'a jamais été observé auparavant. Et on a vraiment vu en plus un effet de rémanence post-campagne. La très bonne performance en termes de résultats sur l'image, puisque la notoriété était multipliée par 4 en l'espace simplement de la campagne. Slenderton, pour les hommes aussi.